Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce jour 2 de The Escapist. Donc, appel matinal, jour 2, on est parti les amis, c'est parti. On perd pas tant la dernière fois, on avait commencé Center Perk et on avait fait pas mal de choses, on avait gagné un peu d'argent, on avait fait quelques quêtes. Alors la tenue de garde, je l'achèterai un peu après, quoique... Non, je l'achèterai plus tard parce qu'il y a une priorité à acheter. Déjà, trouve-moi l'objet DVD, je t'en rendrai une. Ok, ça marche. Pas mal de choses. Déjà, on a 4 quêtes. Ok, nickel. Alors, qui a la fouille de cellule? Clark et Greg ont la fouille de cellule. Ça marche. Des questions? Non. Pas de questions. Les mauvais éléments seront envoyés au mitard. À l'isolement, j'imagine. Soyez sages aujourd'hui. Notre projet de jacuzzi est en bonne voie. Ah ouais, oui, c'est vrai que parce que vu qu'on est dans une prison qui est luxueuse, ils disent que c'est la prison la moins stricte et la plus luxueuse en fait. Non. Donc c'est pour ça qu'ils font des blagues sur jacuzzi, que les gardes ils sont adorables, que machin, que c'est le paradis. Bon. Duel. Alors. Oui, il s'appelle Terrell, lui. Comme dans Seven, The Days Long Gone. The Days Long Gone, que je vous ai fait en let's play. Que je n'ai jamais terminé parce que ça m'a saoulé le jeu. En même temps, ça se comprend. Hein. Et si ça les craft, c'est déjà les crafts que j'ai déjà. Enfin. Ah non, 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 carrément, non, c'est mieux que ça. C'est les crafts. Je sais pas. Ouais, c'est des crafts, c'est des aides pour des crafts. Voilà. Et là, c'est les quêtes. Et là, c'est les crafts. Voilà. Voilà. Allez, temps calme. Let's go. On va augmenter l'intelligence. Alors aussi, ce que je pourrais faire au lieu d'acheter une tenue de garde, c'est en voler une de tenue de garde. Ça fonctionne, hein, vu que j'ai la laverie, je nettoie une truc, puis au lieu de la mettre dans le bac pour la restituer, je la vole. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc vous voyez, graphiquement, en fait, c'est un jeu qui est plutôt... minimaliste. Mais moi, justement, c'est ce côté minimaliste que je trouve cool. Donc vous voyez qu'ici il y a une porte avec un cadenas jaune. Et ici il y a écrit planque de prisonnier. En fait c'est un endroit où si je... Soit je casse un mur qui est là. Soit je vole la clé jaune à un garde. Et je peux accéder ici. En fait ça me donnera un item genre une pelle ou une pioche ou n'importe. Là on va juste attendre que ça sonne. Est-ce qu'il y a des vendeurs? Qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Déjeuner. Parfait. Alors, vous allez voir qu'on va pas s'échapper en très longtemps de cette prison. Hein. Je sais pas, en 5 épisodes, je dirais maximum, on va s'échapper de cette prison. C'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment... Merde, c'est vraiment la prison la plus facile. Rien à vendre? Ah non, il a juste une quête, mais je suis con. Hans m'a fauché mon anakit de pédicure. Non. Ma parole a été rejetée, merci officier. Non, je veux le briser. Non. Tu peux dire c'est la garde au prochain moment, petit déjeuner pour. Oui, totalement. Et toi, tu vends quoi? De la colle. Ouais, vas-y. Fout de ça. Alors faire attention parce que dès que je vais fouiller le corps, je peux me faire choper par un garde. Parfait, oreiller, nickel. Ok, on pointe la virée juste avant, je vais aller poser tout mon bordel chez moi. De toute façon, je ne risque pas d'avoir de fouille. La fouille, c'est que le matin et le soir dans cette prison. Parce que dans certaines prisons, c'est matin, midi et soir. Hein. Les fouilles.
Allez, on s'y met. C'est pas ça. Parfait. Hop. Hop. Ah! C'est énervant! Mais ta race. Voilà. On fait notre travail, nous, on fait notre travail. On gagne de la thune. Voilà. On va tenter de le faire, ça, de voler une tenue. On va voir ce que ça, on va voir ce que ça donne. Si ça, vous allez voir que le portique il va bien sonner quand je vais le faire. Hop, j'aurais dû mettre aussi pendant qu'on y est. Parfait. Hop. Hop. Au cas où. Attention, vous êtes prêts? Ça vient de sonner, vous voyez que ça clignote en rouge le portique. Il ne se passe rien, mais j'ai 97 d'attention des gardes. Attention, je vais poser ça. Il faut surtout pas que je me fasse choper. Enfin, il faut surtout pas que je me fasse taper. Et pas tuer parce que. Enfin, surtout pas que je me fasse tuer parce que si je me fais tuer, je suis envoyé à l'isolement et je perds tout le stuff que j'ai dans mon. Dans mon coffre. Donc là, faut que je me foute quelque part. Attention, attention, faut juste pas que je croise des. Des gardes. Ok, c'est bon, ça s'est calmé. Ils sont calmés, ils sont calmés. J'ai réussi, période de sport, parfait. Je vais me faire buter à tous les coups. Ils vont me repérer. Ok, aussi le muscu, ça augmente la force. Enfin non, la vie. Vous voyez que tout à l'heure au début de la prison j'étais à 15. Et maintenant je suis à 18. Je suis à 18 maximum. Je peux monter jusqu'à 30 maximum il me semble. Si on monte bien la... Si on monte bien à fond, regardez, je vais vous montrer les stats. Vous avez l'intelligence, je suis à 70 sur 100. La vitesse, je suis à 24 sur 100. Et la force, je suis à 38 sur 100. Donc si tu montes bien ta force, tu peux monter jusqu'à 30 maximum, il me semble. Génial, c'est bon, c'est redescendu. On a volé la tenue, on a réussi. Je ne sais pas comment Greg a mis la main sur mon objet mouchoir en soi. J'ai besoin que tu me le récupères. Non. Ensuite, on va faire la diversion. Apparemment, l'amitié que m'a livré a été juste une bonne couverture. Mettre la main sur mon objet papier toilette et luxe. Prêt? Hop! Diversion, vas-y, diversion! Diversion. Diversion douche, putain, ta race. Bon, je suis à zéro, mais au moins, j'ai pas perdu ce que j'avais dans mon coffre. C'est bien. On va vite fait retourner, voir si. Voilà, parfait! J'ai réussi la diversion. Maintenant, je suis à 43% de l'attention des gardes, c'est chiant! C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Foutez-moi la paix. Nickel. Est-ce que j'ai des choses à faire? Trouve objet télécommande téléviseur, trouve objet DVD, diversement, petit déjeuner. Ok. Donc vous voyez que même si cette prison est facile, l'action des gardes, elle monte quand même, hein. Là, si tu fais une connerie, c'est normal qu'elle monte en même temps. Terry, elle a raconté mes données à la copine de directeur. Je pense que. Non. On ne fracasse pas. Ah, j'ai perdu mon. À mon avis. Attends. Apparemment, l'amitié comme la chaise était juste couverte. Tu peux mettre la main sur le jet. Wow, jeu Worms. Mais vas-y. On va piquer mon arme. Mais j'ai encore la batte de baseball. J'irai la chercher après. J'ai besoin de kit de pédicure. Vas-y. Ensuite, pour les vendeurs. Qu'est-ce que vous vendez, les vendeurs? Non, je l'ai déjà, du coup, ça sert plus à rien d'acheter. Et hop, parfait. On gagne de l'argent en masse, c'est bien. J'ai enfin trouvé qui me balance au directeur d'Israël et gardement. Après, je suis en période de sport. Ok, ça marche. Et puis après, pour le reste, il y a qu'un seul vendeur qui vend pas ce qui m'intéresse. Hein. Merde. Parfait. Ok, période de libre. On va donc continuer à aller fouiller des cellules.
Donc juste aller récupérer ma batte de baseball. Juste, voilà, là. Tac. Alors. Non. Le kit de petit cul, il est toujours là ou pas? Ou alors il a bougé, il est plus là. Qu'est-ce que j'ai à trouver? DVD et... Et kit de pédicure, c'est ça? Et télécommande du téléviseur aussi. Voilà, déjà la télécommande du téléviseur, il est là. Là, y a rien. Tiens, ça, ouais. Et ça, je ne pensais que j'en ai besoin. Donc là, point américain, ruban adhésif, flamme de rasoir. Exige 60 intelligence. Génial. Donc, on va déjà commencer à faire encore des crafts là. On va crafter ça et ça, ça. Ça et ça, comme ça, tac. Et ensuite, ça. Un faux mur, parfait. Nickel. Donc, ça permet de dissimuler un. De créer un faux mur, quoi. Une lampe, non. On n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Ok, y a rien. Oh fuck, 49 d'attention des gardes. C'est pas bon ça. Et là y a rien. Ok, parfait. Alors le télécommande téléviseur c'est pour qui? Clark. Clark, il est là. Clark. 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 Tiens, cadeau. On a 162$. Peigne, vas-y. Je vais t'en chercher un chez moi. C'était pour qui? Peigne, Hans. Où est Hans? Hans, c'est toi? Hans Zimmer. Tiens, prends ça. Parfait. 20$ pour un peigne quand même. Hein. Ensuite. Trouve-moi l'objet DVD, j'ai pas trouvé. Diversion au petit déjeuner. Trouve l'objet kit de pédicure, j'ai pas trouvé. Et période de sport pour bougie, parfait. Tu vends quelque chose, toi? Non, toi t'as une caisse, c'est sûr. C'est blanc, non. Et toi, tu vends quelque chose? Bois, non. Quoique le bois, peut-être que je pourrais en avoir encore besoin. On sait jamais. C'est un malentendu, on peut en avoir encore besoin. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on puisse pas s'asseoir sur les transats. Ça aurait été bien. Tu vends quelque chose, toi? Ah bah, je t'ai déjà parlé. Appel de fin de journée. Ouais, je vais juste aller récupérer mes merdes là dans mon coffre. Oh, bien sûr, je peux planquer des choses dans mon. Dans mes toilettes. Regardez, hop, j'ai 3 emplacements pour planquer des choses. Voilà. Alors, qui a droit à une fouille de cellule? Tout du coup, ça va être moi. Ouais, si tu veux, vas-y. Trop de faveurs, merde. Et toi? Bon adhésif, je peux en avoir besoin du bon adhésif, mais j'ai plus de place. Chase et blank, ok. Alors, bougez pas, 2 secondes. Je fais mes trucs. De toute façon, je sais que j'aurai pas la fouille. Toi, tu vois la même chose que tout à l'heure. Et toi, combat adhésif, parfait. Nos éléments seront envoyés au mitard, ouais, comme d'hab. Parfait, extinction des feux, nickel. Bon, au cas où, mais de toute façon, j'aurai pas la fouille, c'est déjà ça. Le problème c'est que j'ai encore ça aussi. Attends, on va juste ranger ça là. Hop. Ok, nickel. Bon allez, on dort. Sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quand on va voir la prochaine vidéo, c'était comme dans le rétro. Bye tout le monde. Je le fais à l'envers. Oui, c'est bizarre, c'est pas grave. Ciao.